Allez, bonjour, la TV, le CLTV France. Veuillez donc nous excuser hein, pour les quelques soucis eh bien, tout simplement de stream. Ça arrive à tout le monde et même au meilleur. Du coup, on va vous caster donc ce petit BO1 entre NVUS et NIP. Et je serai donc avec Droïd de Cap. Salut, salut tout le monde, salut les viewers, ouais, désolé pour le petit retard, mais maintenant on est là, on est bien présent et on va pouvoir recaster ce match. Donc pour petit résumé, il y a 4-1 pour les NIP, hein, 5-1 5-1. maintenant. Du coup, ils ont les Envy qui ont pris le premier round d'armée après les NIP ont fait le taf. Il y a eu quelques légères petites décos de Happy. Maintenant tout le monde est là, tout le monde est présent, donc on va pouvoir partir enfin plus sérieusement, même si le match est encore en pause. Je ne sais pas pourquoi. Effectivement, hein, pour l'instant, les NIP qui sont un peu au-dessus de nos Français. Alors, hein, pour vous faire donc le petit résumé, même s'il y en a beaucoup qui ont suivi donc le stream anglais, les NIP ont gagné le gun round. De fait, ils ont gagné les deux rounds suivants. Les Français, donc, comme l'a dit Droïd, ont gagné le premier round d'armée, mais ensuite ils se sont fait bah, tout simplement un peu massacrer. Hein. C'est allé assez rapidement. Ouais, clairement, alors que du coup on est reparti sur un round d'armée cette fois-ci avec 3 M4 et 2 FAMAS pour les Français, très peu de stuff, hein, on a que du Kevlar simple, pas de Kevlar casque. Du coup c'est encore un round qui va s'avérer compliqué à mon avis pour ces Français. Effectivement, hein, pas d'AWAP, on a la WAP cependant hein, du côté de Cnip sur Alu. On a très très peu de stuff, on a commencé assez mal alors que c'est quand même un BK hein, qui va prendre le bon premier kill sur Getrite. On est donc en 5v4 en faveur des Français. Mais c'est Nip pour l'instant qui reste assez reculé au niveau de ce mid. Clairement, alors que là c'est Xist hein, qui va tenter de rentrer dans ce mid, qui va prendre le kill de la tête sur Happy. Fraber qui va prendre le kill sur Smith, Alu sur Shox. On est déjà du coup en 4v2, hein, le 5v4 qui s'est transformé très rapidement en 4v2. Les Français qui ont été complètement débordés. Et c'est Fraber qui va prendre en plus la tête sur NBK. Il reste donc plus que Kyoshima tout seul qui va aller devoir économiser son arme. Effectivement, Kyoshima va courir très vite et très très loin pour tenter d'économiser sa M4. Au round suivant, de toute façon, on va être en écho. Il va prendre quand même le kill sur Xist qui le pourchasse un peu. Le problème c'est que maintenant on sait où il est, hein. Du coup, enfin on sait où il se dirige, du coup il va se faire courir dessus de partout, on veut pas lui laisser une arme. Surtout qu'il a pu ramasser une AK. Donc ça va être très compliqué pour lui de la sauvegarder, espérant qu'il ait le temps. Parce que là il va falloir que les Envy clairement se réveillent hein, et qu'ils montrent autre chose, parce que pour l'instant ils se font juste massacrer. Effectivement, alors que c'est Forrest hein, qui va prendre finalement le kill sur Kyoshima. 6 à 1. Normalement 7 à 1 à la fin de ce round, puisque ces Français vont être en écho. Clairement. Et juste Ça pour commence répondre à très très mal Kiwi pour Junior, eux. ouais. Pour répondre à Kiwi Junior, non, c'est un BO1. C'est un BO1 et le match qui suivra sera un BO1 aussi. Alors que oui, hein, pour revenir au jeu, du coup, on est obligé de repartir sur une écho. On a quand même sorti 2 P250, 2 5-7 et puis un CZ sur Smith. Là, personnellement, je respecte les gars qui jouent au CZ parce que c'est vraiment devenu une arme galère à jouer. Et là, justement, c'est Smith qui va avec ce fameux CZ, va prendre le kill sur Forest, Freiberg sur Smith, Happy qui va revenge sur Freiberg, Exist qui va revenge sur Happy. Du coup, on est en 3v3. Attention quand même à l'écofist, mine de rien. Effectivement, ça pourrait arriver maintenant. On a des P250, on a des 5-7 face à des AK et la WAP d'Alu. Ça risque quand même d'être assez compliqué. Ah, c'est clair, ça risque d'être compliqué. Après, on sait que le 5-7, c'est une arme qui peut faire très très mal hein, quand on est proche. Du coup, il suffit d'avoir un timing au moment de décaler, etc. Et on peut vite faire tomber un joueur. Alors c'est NBK qui va se prendre une Pokéball dans les pieds hein, et qui va retomber à 70 HP, et c'est Xist qui va finir de le faire tomber. Effectivement, 3v2, la bombe cependant qui n'a pas été encore récupérée, c'est Shox qui l'a sous son contrôle, qui va se permettre de mettre une tête à Getrite. 2v2, attention, on est en train de se faire enfermer. Xist cependant qui fera tomber Kyoshima, la bombe qui est récupérée, 1v2, la bombe qui va pouvoir être posée, et qui va même aller se faire poser en B. Et voilà. Ah. C'est Xist qui va mettre la tête sur Shox, 7 à 1. Les Français qui ont vraiment du mal à rentrer dans leur match. Hein. Ah, ils ont du mal à entrer dans leur match, notamment je pense déjà à cause des problèmes d'API en partie. Et puis on sent des NIP en forme.
Après, c'était une écho mine de rien, c'était pas une écho si mauvaise, hein. Ils ont fait tomber trois armes quand même. Ils ont failli en faire tomber une de plus. Ça aurait pu devenir tout de suite une très bonne écho. Malheureusement, il n'y a que trois armes qui sont tombées. Du coup, ça fait 7-1 pour les NIP. Et il va falloir se réveiller parce que les Français sont mine de rien sur le easy side. Hein. Totalement, même si c'est une map assez équilibrée quand même, hein. On rappelle, si on court assez vite en étant terreau, eh bien on peut arriver plus vite que les CT sur le site bombe B. Alors que j'avais pas remarqué, mais on a sorti un AWAP sur Happy, du coup on va risquer d'avoir un duel Happy Alu. Ça va être assez intéressant à voir. Effectivement, mais à voir si ça va payer, si ça va permettre aux NVUS de remonter. C'est vrai que pour l'instant, ils ont du mal à faire les kills. Hein. On le voit, on a par exemple Kyoshima qui a pris qu'un seul kill. C'était le kill tout à l'heure. Clairement. Et juste pour répondre à The Fist, non, c'est pas The Fist qui a posé la question, c'est Eightold, ton pseudo est dur à dire. Happy a déjà été déconnecté deux fois depuis le début du match. Donc c'est pour ça qu'on parle de ses problèmes. Hein. Il a été déco deux fois depuis le début du match. Il était obligé de se reco avec un second compte même, je crois. Happy 1. Du coup, c'est pour ça qu'on parle de ses problèmes. Effectivement, alors que du coup, on a décidé d'agresser ce site bombe B du côté de ces NIP. On va passer au niveau de cette langue. Et c'est Kyoshima d'ailleurs qui va prendre le bon premier kill sur Freiberg, directement en revenge par Forest NBK sur Getright. 3v4 à suivre, 3v3 Forest sur NBK. Les revenge qui partent assez rapidement, Shox sur Xist. Clairement, on n'a plus d'HP hein, du côté de Forest, il nous reste plus qu'un petit HP. On va tenter de planter cette bombe, mais on va planter à la mode ninja de l'extrême. Le problème c'est que c'est Happy qui va faire tomber Forest, une balle d'AWAP dans la tête, et Shox qui va terminer à lui. Du coup 7 à 2, les Français qui remettent enfin un round, et c'est plutôt bon ça. Effectivement, bah, il faut qu'ils commencent à mettre des rondes hein, face à ces NIP qui ont déjà 7 rondes d'avance. Autant dire que le side est déjà plutôt mal parti pour les Français. Clairement, c'est-à-dire qu'ils prennent un seul round, ils ont plus de side déjà. Alors que du coup, on a ramassé un deuxième AWAP et on va sortir le setup double AWAP chez les Français. Alors que le match est encore en pause. Et chez les NIP, on a clairement un coussin de sécurité hein, au niveau de l'argent que n'ont pas les Français. C'est-à-dire qu'ils perdent un round, ils se retrouvent en écho directement. Alors que chez ces Suédois, bah, on voit qu'on peut acheter encore un round, voire deux si on perd. Effectivement, mais le setup double AWAP qui risque de payer hein, un sur Happy, un sur NBK. Attention cependant à ne pas tomber assez rapidement. Il faut se rappeler bien sûr hein, qu'en face c'est Alu qui a la WAP. Et Alu c'est pas n'importe qui. C'est un mec qui a des réflexes assez incroyables, qui est très très bon à la WAP. Du coup, falloir être plus rapide que lui, plus efficace. Alors qu'on voit qu'on a un AWAP, c'est NBK qui regarde le mid. Et on en a un autre sur B qui check la sortie B. Alors que pour l'instant, on est très réparti hein, sur cette map côté NIP. On prend son temps. Et c'est Xyz qui va prendre le premier kill dans le Skyfall. Sur Shox, Kyoshima qui va revenir instantanément, mais Freiberg, sur Freiberg, pardon, Exist qui va faire tomber Kyo. Du coup, on est en 4v3 à l'avantage des NIP. Effectivement, NBK qui va signer son triple kill sur Forest, Xyz et Alu hein, avec trois coups d'AWAP très impressionnants. Getright qui va quand même le faire tomber en étant 1v2. Getright qui a la bombe et qui va courir. Jeter une smoke en ce mid. Et je pense il a clairement temps de la tenter. Hein. Après, va pas falloir être naïf du côté des Français. Et le problème, c'est qu'on est en train de tous les deux d'hésiter. Hein. On n'est pas synchro sur la défense. Alors que Getra était déjà descendu et a pris le kill sur Happy. Il ne lui reste plus que 9 secondes. La bombe qui va pouvoir être plantée. Effectivement, on va avoir le duel. Getright face à Smith. Getright a vu son ennemi, Smith aussi. Smith d'ailleurs lui aura mis quelques petites balles. Cependant, c'est Getright qui va être plus rapide et qui va lui mettre une balle dans la tête. 8 à 2. Ça va être très très compliqué pour nos Français s'ils ne remontent pas très rapidement. Et clairement, en plus, on voit qu'ils n'ont pas de chance. Hein, on voit dans les timings, notamment le timing qui vient d'avoir Smith, hein, qui sort sa flash et qui la lance à l'instant où Getright décale. Du coup, il y a vraiment des problèmes de timing. Alors qu'en parlant de timing, c'est Happy qui est encore une fois déconnecté.
Effectivement, Happy qui semble avoir beaucoup, beaucoup de problèmes de connexion. Et ça, c'est clairement pas l'avantage de ces Envy, hein, puisque certes, ils peuvent à côté discuter stratégie, mais ça casse totalement le rythme du match. Clairement, hein, dès qu'on essaie de mettre un petit peu de rythme, etc., avoir une pause d'une voire 2 minutes à chaque fois, ça nique tout, hein, ça, l'adrénaline redescend, etc. Et du coup, on repart à chaque fois de zéro. Et il va falloir qu'Happy fasse clairement quelque chose pour ça, sinon ça va devenir très compliqué pour lui et surtout pour son équipe. Totalement, hein, surtout que déjà on va être Neko du côté NVUS. On n'a pas d'argent. Alors j'ai lu, hein, tout à l'heure dans le chat qui disait que si c'est une map terreau, les NVUS peuvent clairement remonter. Oui, totalement. Mais après, le problème, c'est que s'ils ont trop de matchs, trop de rounds d'écart, eh bien, ça risque d'être très très difficile et il risque d'avoir énormément de pression sur les épaules. Alors que bien évidemment, ça, dans le chat, ça crie par rapport au DDoS, c'est tout à fait logique, hein, le DDoS qui est la plaie numéro 1 de Counter-Strike. Non Je mais. pense que. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, je me demande ce que c'est ces problèmes à pif, parce que j'ai pas l'impression que ce soit du DDoS, mais non, en général, quand c'est un DDoS, ils le disent dans le chat. J'ai l'impression que c'est vraiment des problèmes de machine, non? Tu crois pas? Parce que. Bah, de machine ou de connexion, hein. Il suffit que la connexion saute, qu'à ce moment-là, Ouais. ton FA il est en train de faire des travaux sur la ligne, t'es content, Ouais, c'est sûr. hein, à la C'est sortie. sûr qu'il est comme ça, ouais. Non, justement, ce qu'on disait, Tini, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit du DDoS, ça pourrait bien être autre chose, etc. Ça peut être un problème de machine, ça peut être un problème de connexion en général, plus que du DDoS, etc. Donc, c'est à l'interprétation. C'est Du coup, ça. dans le chat, hein, si vous avez une ou deux autres questions pendant que c'est en pause, n'hésitez pas, on répondra, bien sûr. Oh, d'accord, donc on a Mister Xelix qui nous dit que c'est du DDoS ou que c'est pas du DDoS. On ne sait pas en fait. Le truc, c'est qu'on n'a aucune information des autres joueurs. Et DVLG, hein, que j'ai trouvé vachement violent, qui nous disait que c'est pas le DDoS qui font qu'ils sont nuls. Non, c'est clair que les NVUS, ces temps-ci, ont un petit passage à vide. Même un joli passage à vide, hein, clairement. Ah bah là, c'est un passage dans le au canyon, là. Il faut qu'il remonte, les gars. Non, mais sérieusement, il y a eu des effets externes qui ont fait que, en partie. Et puis après, voilà, il suffit que on ait perdu pendant quelques temps des strats, ou alors qu'on soit rendu compte que nos strats étaient plus efficaces et qu'on soit obligé d'en refaire, etc. C'est un truc qui est long à travailler. Du coup, il arrive qu'on ait une période où voilà, on gagne plus, on teste des trucs qui marchent pas forcément, et le temps de se retrouver à un setup plus correct et plus efficace. Alors, juste par rapport au DDoS. Alors, ça arrive plein de fois que les joueurs se font DDoS pendant 15-20 secondes, parce que tenir une attaque DDoS, eh bien, ce n'est pas tout le temps aussi facile qu'on le pense. On n'a pas tous les PC qui permettent de faire ça. Mais du coup, si c'est 20 secondes de DDoS toutes les 2 minutes, il peut revenir avec son compte, mais ça ne passe pas. Ça passe pas au bout de 2 minutes. Clairement, moi par exemple, j'en suis une attaque DDoS avec mon PC, il explose, il me dit va te faire foutre et il se barre en courant. Hein. Même pour une seconde, c'est pas possible. Alors, Glaxus LOL qui nous dit ils sont pas en gaming house. Je ne pense pas. En tout cas, ils n'ont pas du tout le même ping les uns et les autres. Du coup, ça serait assez étonnant. Non. Et Mister Azer, les castes, c'est donc Baron Rico et moi, Droïde K. Voilà.
Après, c'est vrai que je le lisais aussi hein, sur différents sites. C'est vrai que ces nips ces temps-ci sont petit à petit en train de se réveiller. Au contraire des NVUS et même aussi, hein, il faut le dire, des Fnatic. On a l'impression que c'est un peu un passage à vide, pas mal d'équipes hein, ces temps-ci. Passage à vide, certes. Après, les Fnatic, comment dire, les Fnatic, ouais, ils ont des grosses baisses de régime ces derniers temps sur les matchs, on va dire banal, classique, etc. Mais dès que c'est des grosses compètes avec de la LAN, etc., on voit tout de suite les Fnatic arriver en finale, voire gagner. Hein. On l'a vu avec la Gfinity, on l'a vu avec avec la DreamHack justement contre les NVUS en finale. Voilà, on sait que les Fnatic c'est des machines à gagner, donc. Dès qu'il y a une LAN, dès qu'il y a un gros event où il faut être présent, ils sont présents. Après, c'est vrai qu'en dehors, c'est pas toujours simple pour eux. Totalement. Alors, on nous pose aussi la question, qu'est-ce qu'on pense du match HR vs NiP, hein, le match qu'on fera juste après, si celui-là se finit déjà, ce serait déjà pas mal, ce serait déjà une bonne chose. Alors, ça va être sur D2, map très ouverte. Je sais pas. Sincèrement, pour le coup, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question, puisque je pense que les deux équipes ont leur chance. Ça reste des deux. Mais j'ai vu qu'hier, hier ou avant-hier, les HR avaient battu les VP, il me semble. Bon, bien sûr, les VP, c'est pas encore les NiP, hein. Mais on sait que les HR, ils sont sur un BO1, ils sont capables d'aller embêter les très grosses équipes. Du coup, en plus, sur D2, qui est une map complètement ouverte, hein, tout est largement possible. Alors que je viens de voir que ce n'est pas Happy qui a rejoint, c'est Next. Effectivement, c'est Next Mais qui c'est est NiP. revenu. Voilà, donc ils ont été obligés de prendre un last. Et ça, c'est clairement pas en faveur des NVUS, puisque c'est le principe d'un last, hein. C'est quelqu'un qui n'était pas prévu. Pensez-vous que le match peut être annulé? Bah, je pense pas. Le match, il a commencé, tout ça. Ils ont trouvé un last. Le match est déjà à 8-2. Non, il n'y a aucune raison qu'ils annulent le match en cours. À moins qu'une des équipes abandonne, mais ça m'étonnerait clairement. Ça m'étonnerait, hein, clairement. Et du coup, hein, 8 à 2, donc le match qui a recommencé. On est en écho hein, du côté de CNV, du coup, ça devrait faire le 9-2. Et surtout, c'est Forest qui va commencer en mettant une grosse tête. ANBK, on a décidé d'agresser très rapidement. Hein, ce site bombé. Forest, deuxième kill sur Smith. Forest, triple kill sur Shock. C'est Getright qui va faire tomber Kyoshima qui était contact. Il ne reste déjà plus que Next. Et Autant tout Next à qui l'heure, va ouais. tomber. Autant tout à l'heure, ils ont fait une bonne écho. Les Envy, autant là, ils viennent de se faire rape sur cette écho. Hein, perfect de la part d'Enip. On est rentré, on a posé la bombe, on a pris tous les kills en une dizaine de secondes qui s'enchaînent très rapidement. Du coup, très très mauvaise opération de la part des Français. Alors que du coup, on va être obligé de forcer le bail hein, du côté des Français. On va sortir un AWP sur Smith. Et puis Next qui n'aura qu'un Swag 7, ensuite on aura deux FAMAS sur Shox et NBK, et enfin une M4A1 sur Kyoshima. Shox qui va d'ailleurs louper sa fumigène. C'est Getright déjà qui va prendre le bon premier kill sur Kyoshima en étant 5v4 en faveur des NiP. Ce match commence à ressembler quand même à un gros rape de la part des NiP sur les Envy. Mais clairement, c'est clairement pas la période pour l'Envy de se prendre un rape comme ça, surtout qu'en plus Fry va pas mettre le kill sur Shox. Parce que se prendre un rape quand on est déjà en mauvaise période, en général ça fout un sale coup au moral et après on a une grosse période entre guillemets de latence. Ou alors là c'est quasi impossible d'aller chercher des résultats. Totalement, alors que du coup on a décidé d'agresser donc ce site bombé du côté de CNIP, CNBK qui va prendre la tête de Xist directement revenge par Forest. On est en 4v2. La WAP de Smith qui va faire tomber Alu. Freiberg sur Next, on est en 1v3. La bombe qui va être posée. Next qui avait eu la bonne idée hein, d'essayer de passer par ce Skyfall
avec son Swag 7 pour essayer d'arriver dans le dos. Malheureusement, ça a été bien pressenti, hein, et du coup, il s'est pris une balle directement entre les deux yeux, et malheureusement, il est tombé. On va devoir écho la WAP du côté de Smith, mais j'ai envie de dire surprise. C'est ça, exactement ça, Getright qui a réussi à le prendre par derrière, 10 à 2. Même si c'est une map à tendance terreau, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de rondes en faveur de Cnip. Même si NVUS réussissent à mettre les trois prochains rounds, ce qui va être très compliqué, puisqu'ils vont être en écho, sur le deuxième side, il va falloir montrer tout autre niveau. Ouais, c'est clair, hein. On se rappelle tous du niveau de quand les NVUS ont eu une période où ils étaient même premiers mondiaux. Du coup, on aimerait vraiment qu'ils puissent retrouver ce niveau et cette envie qu'ils cette envie et cette efficacité qu'ils avaient dans leur duel, etc. Malheureusement, c'est pas le cas pour l'instant, même si là c'est Shox qui va prendre le premier kill sur Getright au 5-7. Alors qu'on a lui qui s'avance, on a un joueur qui s'est boosté, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était. C'est Freiberg en plus, hein, qui va prendre le premier kill sur Smith. Du coup, il remet les compteurs à égalité. 4v4 à suivre. Freiberg qui va faire tomber next. Du coup, on se retrouve en 4v3 en faveur de ces Suédois. Effectivement, on a une AK sur Shox. À voir si ça va suffire, simplement. Et bah, on Freiberg n'a qui plus d'AK va. sur Sox. C'est ça, hein, Freiberg qui va faire tomber Shox. Koshima qui va faire tomber Frost au niveau de ses escaliers. NBK, double kill sur Freiberg et Alu. Attention, hein, on est en 1v2. Attends, un V2, on a entendu qu'il est... on a pas entendu qu'il était monté du côté de Kyoshima. On a entendu tomber. Et c'est Kyoshima qui va mettre le kill. Et du coup, c'est l'écofist. Effectivement, Et c'est c'est Envy l'écofist. qui réussissent à faire un petit écofist. Et ça, c'est clairement une bonne nouvelle pour eux. Même si maintenant, il faut mettre tous les rounds suivants. Mais ça doit faire quand même du bien au moral, hein, de réussir à mettre un round en écho. Ah, clairement, 10 à ça, 3. ouais. Clairement, mettre un écofist, ça redonne toujours la petite envie, le petit coup de jus là de ah putain, on a réussi à les battre en n'ayant que des pistoles, du coup, on peut faire quelque chose. Mais là, le problème, c'est que Shaq se décale sans avoir vu le premier joueur. Et il va poke seulement Forest en le laissant à 15 HP. Mais malheureusement, Forest ne va pas se rater et va le faire tomber. 5v4 en faveur des NIP, même si Forest n'a plus que 15 petits HP. Effectivement, un Forest qui peut clairement tomber très très rapidement. Smith d'ailleurs, hein, qui va prendre le kill sur Getright en étant 4v4. Alors qu'on a Freiberg existe hein, qui sont au niveau de ce Skyfall. On a Forest lui qui se balade un peu dans le château avec ses 15 petits HP, il est au niveau de la bombe, voilà, il va la récupérer. Et il va l'emmener vraisemblablement sur le site bombé. Hein, ouais. Il va l'emmener sur le site bombé. C'est donc là qu'on a choisi de finir ce round. Il reste 40 secondes, il va falloir déclencher du côté des NIP. Et il va falloir être surtout très très solide de la part des Français. Et justement c'est NBK qui va prendre le premier kill sur Alu. Disque qui va arriver sur NBK. Freiberg qui va prendre le kill sur Smith. Freiberg encore sur Next. Et du coup en 3v1, il ne reste plus que Kyoshima. Je comprends pas les Français qui sont capables de mettre un écofist et qui se prennent voilà, tous les rounds d'armée avec Freiberg qui va encore descendre Kyoshima. Du coup 11 à 3. Je comprends pas ce que font les Envy. C'est vraiment dommage. Ils mettent un round full pistol et un round avec les armes qu'il faut, bah ils tombent tous. Clairement, surtout qu'ils avaient l'avantage numérique et des armes. Et du coup, le setup double AWP qui n'a pas payé. Et pourtant, on va le ressortir avec des pioles juste à côté. C'est assez étrange, ça aussi, comme bail. Effectivement, on a préféré acheter des AWP plutôt que des FAMAS pour tout le monde. Du coup, ça, c'est un round qui va être compliqué. Et clairement, parce qu'on peut pas défendre un AWPer avec juste des pistoles. Il faut au moins un rifle en couverture, c'est le minimum. Malheureusement, là, on ne l'aura pas. Alors que du coup, hein, on s'est boost au niveau de cette longue A. C'est Getright d'ailleurs qui va prendre le bon premier kill sur Shox. 5v4. Il faut absolument que ces Français le mettent, hein, ce round. Et ça commence très très mal. Hein. Getright qui va faire tomber NBK, Smith sur Alu. Forest sur Smith. On a agressé ce site bombé. On l'a beaucoup aimé, hein, ce site bombé du côté de Cnip durant tout ce premier side. Ah, clairement, on a carrément très peu essayé le site bomba parce qu'on s'est rendu compte de la fragilité qu'il y avait
sur ce site bombé, forcément, on va pas s'embêter à aller chercher le site bombe A alors qu'on sait que le site bombé est clairement défendu. Même si ça se trouve, c'est encore pire cela, mais bon. Tant qu'ils passent, ils vont pas s'embêter à risquer de perdre des rounds pour rien. Alors que c'est encore Xist hein, qui a contourné le dernier joueur en vie. Pour d'accord, oh, on n'a pas vu le. Oh, pour le faire tomber, ouais. Et oui, hein, sinon, donc on pose la question souvent dans le chat, c'est qui Next? Next, c'est le manager d'Envy. Puisque Happy, eh bien, tout simplement, ne peut pas se connecter. Il a des problèmes d'Internet. Alors, on ne sait pas trop si c'est du DDoS ou si c'est si c'est autre chose. Clairement, alors que, donc, du coup, les Nippes qui ont mis ce 12-3. Alors, ça va... Ça va recommencer, voilà, hein, donc... 12-3 en faveur de Cnip. Si le gun round est mis par les bah, tout simplement par les ninjas, c'est bah, c'est fini pour les Français. Ils auront énormément de mal pour remonter. Alors qu'on nous demande hein, est-ce que c'est une map terreau? Alors oui et non, disons qu'il y a il y a le site bombé sur lequel les terreaux peuvent arriver plus vite que les CT. Après, ça reste quand même déséquilibré. Ah, c'est clair qu'après, elle est plus simple à défendre qu'à attaquer. Mais regarde, là, en parlant de défense, regarde la défense qu'ont tenté les Nips qui sont en train de complètement contourner les Français pour leur arriver dans le dos. Et c'est Getright qui va prendre le premier kill sur Next, Envious, Kyoshipa qui va arriver instantanément sur Getright. Nip qui va prendre Alu qui va prendre le kill sur Shox, NBK sur Freiberg, Forest sur NBK. On se retrouve donc en 3v2 en faveur de ces Nip, et le problème c'est qu'on a la bombe, on a une vie sur la bombe et c'est Forest justement qui va prendre le kill sur Smith. Il ne reste plus que Kyoshima face à 3 joueurs. Et ce Godron qui va partir clairement à mon avis à l'avantage des Nip, même si Kyo aura quand même réussi à prendre un kill sur Forest et se retrouver en 1v2. Effectivement, voilà, c'est Xist qui va le terminer. C'est très très compliqué hein, ce que sont en train de nous montrer ces NVUS. Alors que, juste pour revenir quelques secondes sur la première défense de Cnip, eh bien je pense que comme ils ont 12 rounds d'avance, maintenant 13, ils ont décidé de tenter autre chose. Et ça a marché, ça a marché, ça a totalement marché. Et ça a surpris les Français, du coup, ça a totalement payé. Ça a totalement payé, et on repart pour la même chose, j'ai l'impression, non, c'est bon, Alu qui s'est calmé et qui va s'arrêter. Alors que du côté des Nip, hein, on a pris 3 PM pour ce round. D'ailleurs, c'est Getrai qui va commencer par se faire 600$ sur le dos de Next. Next qui, depuis qu'il est arrivé, est pas à la fête. Hein. Il a fait 0 kill, il est mort cette fois. Alors que il était censé arriver pour remplacer et essayer de faire quelque chose. Malheureusement, il ne sert à rien pour l'instant. Et du coup, c'est Freiberg encore une fois qui va se faire de l'argent sur le dos de ces Français, pareil pour Getright hein, qui se fait rajouter 600$ supplémentaires dans les poches. Les PM qui ont été vraiment utiles sur ce round, hein, on s'est fait pas mal d'argent du côté de Cnip. Effectivement, on avait force buy hein, du côté de CNVUS, ce n'est absolument pas passé, un seul kill de prix. Autant dire, c'est absolument pas worth it. On va re-force buy et ça, je sais pas si c'est une très très bonne idée. Dans le sens où... Eh bien, tout simplement, s'ils perdent ce round, ils vont être obligés de force buy au dernier round, et du coup, c'est la fin de la game. Alors que c'est quand même NBK, hein, cependant, qui va mettre une tête sur Freiberg, Getright, double kill sur NBK, et Shox Xist sur Kyoshima, Smith sur Getright, Xist qui va faire tomber Next, Smith sur Xist, on est en 2v1. Smith, 26 HP, face à lui, il y a Alu et Forest qui ont 100 HP chacun, et salut. Qui va lui mettre une tête. 15-3. Ouais. 15-3, eh bien, c'est fini. Tout simplement, c'est fini. On va acheter une Galil sur NBK, on va acheter des AK, on va acheter tout ce qu'on peut du côté français. Mais on aura peu de stuff. On n'aura même pas de Kevlar sur Shox. Alors qu'il y a Stan CSGO qui a demandé depuis quand un kill... Un kill à P90 fait 600$, mais en fait, simple faire un kill à la PM dans CS, je sais pas si c'est le même pourcentage. Je crois pas que c'est le même pourcentage d'ailleurs. Ah ouais, que je n'ai jamais étudié.
Mais on sait que ouais, les PM en général, à part peut-être une exception qui serait probablement la P90, rapportent 600$. Donc c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Alors que là, c'est Kyoshima quand même qui va prendre le kill sur Ghost. NBK sur Alu, sur Freiberg, Shox sur Forest. Et Shox qui va prendre le double kill pour terminer sur Get Right, 15-4. Peut-être le comeback du siècle hein, pour CNGS. Mais bon, pour faire un comeback du siècle, ils n'ont pas droit à la moindre erreur et ça va être très très compliqué. Ah oui, non, ils pourraient, hein, clairement, mais par rapport à ce qu'ils nous ont montré depuis le début du match, c'est difficile d'y croire. D'accord, et merci à tous ceux qui nous disent que la P90 c'est 300$ seulement. Non, d'accord, merci. On dormira moins bête ce soir. Clairement. Alors que du coup, on est en écho du côté de Cenip. Donc normalement, avec un peu de chance, le 15-5 pour les Français. C'est qu'il va pas falloir se rater, hein. Ils ont bien écho tout à l'heure, faudrait voir à pas s'en prendre un. C'est Smith qui va prendre le premier kill sur Get Right. Du coup, on est en 5v4 à l'avantage des terroristes. Le problème, c'est qu'on est très attentif à la surface de Skyfall. Et c'est Kistin qui va faire tomber next. Du coup, on se retrouve en 4v4. 4v4, Freiberg qui va récupérer une AK. A voir si ça va être suffisant alors que la bombe est en train de se diriger tout doucement vers ce site bombe B. Site bombe B qui est complètement free. On a un joueur dessus, c'est Kyoshima. C'est Nip qui ont décidé de faire un petit pari en pensant que ça allait être du A. Pas de chance, ils ont perdu. Ouais, clairement. Alors que c'est Shox qui apprend de kill sur Freiberg. Hein. Et que pendant ce temps-là, je me dis vraiment que Next est vraiment là numériquement, quoi. Sans déconner, il a pas pris un seul kill, il a fait que tomber. Là, c'est Smith qui va prendre un kill sur Alu. Et Forest sur Smith, Shox sur Xist, du coup. On se retrouve en 3v1. La dernière arme est une AK. Est-ce qu'on va tenter de faire tomber des armes ou est-ce qu'on va tenter de se garder du côté de Forest? Rien du tout. On va se prendre une balle de M4 directement dans la tête. Effectivement, et du coup 15-5, nouveau round d'achat à suivre de la part de Cenip. Ces Français qui vont sortir d'ailleurs une AWAP, elle va être sur Kyoshima. Clairement. Alors que Freiberg, lui, ne s'embête pas plutôt que déco encore un round tous. On voit que Freiberg va sortir une P90, alors que de l'autre côté on aura 3 rifles, 2 M4-1S et une M4A4. Et un AWAP sur Alu, AWAP d'ailleurs qui va payer, qui va prendre le kill sur NBK, au prix quand même de 50 petits HP. Effectivement, 5v4 à suivre, on a pique l'avantage du côté de Cenip. Alors que les Français pour l'instant jouent assez reculés. Hein. On a deux joueurs au niveau de ce Skyfall, c'est Next et Kyoshima. Un joueur au niveau de cette Longa, c'est Shox. Et le dernier joueur qui est Smith, qui est au niveau de ce middle. Ça va être très compliqué ce round. Hein. Déjà, ils sont en infériorité numérique. En plus, ils sont très éparpillés. C'est-à-dire que si un kill est pris, malheureusement, il n'y aura pas le revenge qui va suivre. Alors qu'on a Shox qui va s'avancer un petit peu tout seul avec la bombe. Ça, c'est clairement pas la bonne idée de s'avancer seul avec la bombe. Surtout qu'il va tomber sous les balles de Forest. Même s'il va laisser Forest à 12 petits HP, c'est pas suffisant. Voilà. Freiberg qui va prendre les kills au P90 sur Kyoshima. Il ne reste plus que Next. Et il ne reste même plus Next vu que c'est Freiberg qui va le faire tomber. Il ne reste plus que Smith. Allez, Smith, pour le clutch. Pour le clutch du match, pour le clutch de ta vie. Ah, c'est clair que là, c'est un clutch très très important, assez difficile. Et d'ailleurs, c'est Get Right qui va le faire tomber. 16-5. Eh bien, ces Français qui ont eu du mal et qui n'ont pas réussi à remonter. C'est la fin de ce premier match. On va donc marquer une courte pause le temps que les HR arrivent. On va se retrouver sur D2. À tout de suite. À tout de suite les gens. Ciao, ciao.